dans les premières pentes du col du Chaussy avec le maillot à poids. On retrouve Joaquim Rodriguez et un revenant, Jean-Christophe Perrault. À l'arrière, les Sky en contrôle, mais Cédric, les coéquipiers de Christopher Froome vont bientôt se faire rares. Oui, rapidement, nous avons compris qu'il n'était pas dans une grande journée. Regardez, une averse orageuse, fort heureusement pour les coureurs, ça n'aura pas duré longtemps, mais on a vraiment eu un départ rapide, et puis les équipiers de Joaquim Rodriguez qui tentent quelque chose. Et c'est sous cette pluie, Cédric, vous venez d'en parler, qu'à 10 km 500 du sommet du col du Chaussy, Alberto Contador attaque, il passe à l'action, le Madrilène prend très vite 30 mètres, et c'est Vincenzo Nibali qui derrière, lui aussi, va faire preuve de panache dès le début de cette étape. Oui, on sent que ces grands coureurs ont l'envie, ils ont envie d'essayer de mettre en difficulté le maillot jaune Christopher Froome, mais pour l'instant ça ne sourit pas, ça n'a pas souri depuis le début du Tour de France, mais on essaie quand même. Un groupe se forme avec Nibali et quelques centaines de mètres, le groupe maillot jaune à la planche, ils ne sont plus que deux, accompagné Chris Froome, Nicolas Roche lâche, c'est difficile, et un Nibali qui insiste à un kilomètre du sommet. Oui, elle la comprend rapidement, Vincenzo Nibali qui a demandé à ses coéquipiers de durcir le rythme et qui prend déjà la direction des opérations dans cette première difficulté du jour. Un grand jour pour le requin de Messine, lui qui a gagné le Tour de France l'an dernier. Son exploit de 2011, il possède au sommet plus de 4 minutes d'avance à 83 km. Attaque au corps de l'Irlandais.